C'est tout simplement incroyable. Étonnant. Comment Raffles a-t-il pu concevoir une machine volante à son époque? Je suis sûr qu'elle marche. Oh, je n'en doute pas une seconde. Docteur M, content que vous voyez ça. Vous en rêviez depuis tellement longtemps. J'attendais ce moment, et celui de ta mort. Allons, vous avez perdu le sens de l'humour? Je ne parle qu'à mes égaux, et Bentley a dit non. Aussi faible que ton père. Aussi faible que ton père. Thank you.
aussi faible que ton père. J'ignore ce qui s'est passé entre mon père et vous, mais je peux vous assurer que la relation que nous avons avec Bentley n'est pas de style. Tu dois avoir raison. Il a risqué sa vie pour te défendre. Je ferai la même chose pour lui. C'est drôle. Ton père n'a jamais été un si bon ami. On est tous différents. Je fais peut-être partie de la lignée des Cooper, mais en fin de compte, je ne suis que moi. Pas Henriette, Raffles, Sly Tankamon, Michoko, ni mon père. Juste Sly. Je t'en prie. Épargne-moi ton discours à l'eau de rose. Ça me fait vomir. Vous, les Cooper, vous n'êtes qu'un ramassis de voleurs puants. Des voleurs, tous. On ne bouge plus. Je vais vous envoyer tout droit en prison. Content de te voir, poupée. Moi aussi. Oh, une histoire d'amour. J'ai peut-être perdu, mais tu vas souffrir. Pas elle. On ne touche pas à mon prisonnier.
Que s'est-il passé? Sly? Où suis-je? Quel est ce lieu? Sly, tu ne te souviens de rien? Non. Qui êtes-vous? Je vous ai déjà vu? Je suis l'inspecteur Carmelita Montoya Force. Et qui suis-je? Tu es mon coéquipier, inspecteur Cooper. Eh bien, partenaire, on ferait mieux de sortir d'ici. Le plafond va s'effondrer. Il faut faire vite. Allez. Sly, tu es là? Sly? Nous avons regardé le docteur M rester là alors que les murs du caveau s'effondraient. Pendant toute sa vie, il avait convoité le trésor des Cooper. Et il n'était pas prêt à abandonner, quel que soit le prix à payer. On a eu du mal à sortir, mais Murray a réussi à nous faire dégager juste à temps pour assister à la triste fin de l'héritage des Cooper. Un moment doux amer, comme à chaque fois qu'on arrive au bout d'un chemin. On a contemplé ce spectacle, perdu dans nos pensées, en se remémorant toutes les aventures qu'on avait vécues avant d'arriver ici. Les gens qu'on avait rencontrés, les lieux qu'on avait traversés. Ça nous avait pris du temps pour faire rentrer Sly dans ce grand caveau, et ses secrets allaient être de nouveau cachés, pour de bon cette fois-ci. Je ne pouvais qu'espérer qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. On a fouillé la moindre parcelle de l'île à la recherche de Sly. On a retrouvé les membres du clan un à un, mais on s'est aperçu qu'il ne voulait pas qu'on découvre où il était. Comme toujours, il nous avait laissé une carte de visite, mais cette fois elle valait des millions. Le temps a passé et toujours pas de nouvelles de Sly. Murray est retourné auprès de son gourou afin de terminer sa formation. Sans Sly pour nous diriger, pour la première fois, chacun a dû suivre son propre chemin. Pas simple, quand on sait qu'on ne s'était jamais quitté depuis l'orphelinat. Pour l'instant, Murray et moi continuons d'être proches. Récemment, il a essayé de percer dans les courses pro de Stockvan. Ça a l'air de marcher pour lui. Il est doué pour s'en sortir, là où d'autres y seraient passés à coup sûr. Il sait rebondir. Et bien sûr, il y a Pénélope, ma nouvelle partenaire. Je l'avoue, je suis fou d'elle. Elle et moi avons fait un voyage encore plus dingue que quand je faisais équipe avec Murray et Sly, même si j'espère que nos chemins se recroiseront bientôt. C'est peut-être la fin de nos aventures ou le début de quelque chose d'encore plus grand. Le temps nous le dira. Et ce n'est pas qu'une façon de parler, parce que je construis une machine à remonter le temps pour savoir.